c'est Gravity Day. Dehors, le thermomètre affiche 26 degrés. Aujourd'hui, c'est la fête du jour où Monsieur Stein a découvert comment supprimer la gravité d'un objet, qu'importe sa taille. C'est une découverte majeure qui a fait avancer le monde entier. Cependant, cette technologie coûte cher, alors chaque année, à cette période, nous offre une journée d'AG, donc d'antigravité. C'est le gouvernement de Mito, mégapole ultra perfectionnée où nous habitons tous. Ce jour-là seulement, il déconnecte nos puces pour nous octroyer un peu de gravité, un peu de poids pour nos corps d'êtres humains. Cette puce, tout le monde l'a, sauf quelques bicentenaires. On nous implante à la naissance sans nous demander notre avis. C'est la cellule de contrôle de Mito, le puissier. Il fixe les puces sous la peau. D'ailleurs, la mienne, elle est là, regardez, sous l'oreille gauche. Elle leur permet de me tracer jour et nuit et de recueillir toutes sortes d'informations. Sur ma santé, mon comportement, les gens que je fréquente et même quand je dis des gros mots ou que je zappe le brossage dedans. La cellule de surveillance analyse nos puces et les vend parfois à des agences ou des entreprises pour le business. Vive la liberté. Vive la liberté. Moi, c'est Félix Fache. J'ai 14 ans depuis hier. Je vis seule en bord dur de Wito avec mon père et mes 11 souris dans une grande maison spacieuse. Hier, je jouais tranquillement sur mon PC avec Vincent, lorsque l'écran est devenu noir. C'est moi, François Poitrof. Je parle russe, mais personne ne le sait. Personne ne sait trop rien sur moi. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. J'aime me faire discret. Le secret permet des tas de choses. À 18h, nous nous sommes donc rejoints devant la boutique Whipple, chef de magasin très reconnu pour sa qualité de réparation et ses produits. J'aime bien la rue principale de Wito, la rue des Lucs, avec ses grandes lanternes qui se balancent au-dessus des habitants pour éclairer leur chemin. Ses trottoirs ultra lisses et sa forêt de gratte-ciel azur quasiment s'effondrer. On est arrivé devant la boutique. J'ai cliqué sur le long de Wifi croqué. Les portes ont glissé. On est rentré. On a un peu fait la vie. Maintenant, jamais nous pour ici. Tout est calculé en termes de rentabilité et d'efficacité. On a tout vu ce que c'est qu'un port mort. L'ennui est une faute de l'eau. Une faute tout court d'ailleurs. Tu t'ennuies, tu n'es pas normal. Ouais, c'est malheureusement une obsolescence programmée. Je ne peux rien faire pour vous, les gars, désolé. Jetez un coup d'œil à nos derniers modèles dans le rayon. Et c'est à ce moment-là que deux hommes armés sont rentrés dans la boutique et ont tout fait exploser. Dis-moi tes clopes, Sagnoche. On peut en avoir peur. Une rue très étroite. Une simple phrase qui nous fait penser au pire. De toute façon, je n'ai pas de cigarette. Ici, c'est la joie. Un ascenseur fleuri, enneigé, enseveli sous des feuilles mortes, dirigé par une fillette en ligne. C'est toi, Marie ? Mon esprit mangeur, c'est ça ? J'ai l'impression de sombrer dans la folie. Mais non. Je suis tout à fait normale. Inventive seulement. La colombe en bas de l'immeuble. La poubelle en bas de l'immeuble. Le petit garçon au deuxième étage. Tout existe, du moment qu'on y croit. Je m'appelle Gertrude Éléonore, 16 ans bientôt, et je suis vendeuse dans la boutique de feux d'artifice qui vient d'exploser. Je sais que c'est un peu tôt pour travailler, je vous expliquerai. Là, ce n'est pas le moment. J'attendais la livraison qui allait me prendre pour les pétards de la fête de ce soir lorsque deux hommes armés ont braqué le magasin à côté. Mon patron est mort, mon patron Stéphane. Vous l'avez tombé, et moi je crois que je suis blessée. Des coups de verre partout. Émilie ! C'est quoi tous ces coups de feu ? Gertrude ! Ah, appel, les ambulances. Je croyais que je ne vais pas tenir longtemps. Vous êtes blessé, fais voir. C'est quoi tous ces coups de verre? Il y a du sang partout. Oh, ta... Allô? Allô? Oh, c'est Soulange, j'arrive pas à les joindre. Allô? Venez vite, ma soeur est blessée. Allez, l'élu. Non, je n'ai pas peur, on vit seul. Il y a des coups de feu, une explosion, je crois. Je m'appelle Corée et je peux faire mon œil droit. Je me balais tranquillement pour aller des buts. Quand un coup d'artifice a posé sur moi et m'a vu, je crois que je vais me dormir. Ma puce clignotait rouge et me brûlait la peau, signe que l'alerte était donnée, mais qu'il fallait rester vigilant. Quelques minutes plus tard, deux voitures de police et un fourgon arrivaient sur les lieux. Mais c'était trop tard. Les malfaiteurs étaient déjà partis. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, James? Comment c'est moi? Bah, ton t-shirt. Chut, j'essaie de sortir en dessous du fourgon. Salut, moi c'est James. Tout le monde le sait maintenant. C'est moi. J'étais au skate park quand il a été vandalisé.
Je vis avec ma mère dans la zone nord, un endroit pauvre. Je sillonne la ville, je connais Mito par cœur, je sillonne la ville avec mon BMX jour et nuit. Et c'est pour cette raison que je vais pas tarder à semer mon gardien. Les rues n'ont pas de secret pour moi. C'était quoi ces méga bruits? Je déteste cette odeur. L'odeur du sang, des médicaments, de l'hôpital. Je n'ose pas ouvrir les yeux. J'ai trop peur de ce matin. Peur, toujours peur de tout, de n'importe quoi. Je me balade tranquillement sur la lune, devant le magasin Nibble, jusque-là, pas trop avoir peur. Sauf qu'une bande de dégénérés s'est attaquée à ce magasin. Et là, BAM! Une balle perdue dans le camion de feu d'artifice. Boum! Le camion explose! Fiou! Les feux d'artifice valent dans tous les sens! Chling! La vitre du magasin se brise. Repond! Le patron du magasin est touché. Bibo! La police débarque! Thank you.
voulez suivre au skatepark pour avoir endommagé une rampe, n'importe quoi. On n'a plus le droit de faire du skate maintenant. C'est quoi cette vie? T'as raison, on va bientôt être sur les routes. Oh, c'est déjà fait avec le bus. Chut, je connais un moyen de l'écrier. C'est quand tu as le système de l'intérieur. Protégés, ils étaient gentils, sauf que le robot qui m'a opéré, il a par erreur aspiré ma puce, et je suis pas bien avec cette idée. Maintenant, à chaque contrôle de police, j'ai peur. D'ailleurs, c'est quand le prochain contrôle? Et il y a 2 jours, ils sont venus jusque chez moi car je m'étais pas présentée au poste. Ça m'a fait bizarre. Je n'ai pas envie de vivre dans le stress permanent. En plus, je n'ai plus de travail. Opérer. T'inquiète, j'ai un plan. C'est un amas de chair et de sang.
par le flot des passagers. Tous ces humains, les yeux rivés sur leurs écrans, centrés sur leurs petites personnes, comme si leur vie était contenue dans cet enchevêtrement de câbles et de métal. Tous pareils. On croirait qu'ils ont perdu leur identité. Je me sens seule, le seul à penser. Je les fixe pour les faire réagir, mais ils ne me regardent même pas. Ils sont déconnectés de la réalité et branchés à leurs appareils. Ça me donne envie de hurler pour dissiper la puanteur malsaine que m'inspire cet amas d'égoïsme. Ont-ils jamais levé les yeux de leur routine grise et idéale? On fait nos bagages et hop, on part en forêt. Et ma PSW24 alors? C'est vrai, comment tu vas l'utiliser? Avec une rallonge. Si tu mets une rallonge, tes parents vont te repérer facilement. Mais oui, il a raison, Léo. En plus, une rallonge de 100 km, ça n'existe pas. Je prends mon balai pour moi. Mais ça va te servir à quoi? On va dans la forêt, c'est pas un hôtel 5 étoiles, il n'y a pas d'électricité, hein. Et il y a un truc que je comprends pas. T'es H24 sur ta console, mais tu veux partir en forêt. Hey, salut Vincent, pas pour l'expédition? Ouais, j'ai désactivé les puces, il nous reste un peu de temps avant de descendre du circuit. T'as quoi dans ton sac? De quoi tenir une semaine. J'ai vidé tous les placards, ma mère va être folle. Moi, j'ai pris sandwich, lampe de poche, couteau, corde et canne à pêche. J'aime pas le poisson. Faudra-t-il faire mon vieux? Va pas prendre vieux, on va pas citer l'air. Tiens, on l'a eu, avec une fille. Salut. Salut. C'est qui? Je vous en prie, dis-moi. J'ai la dalle, j'ai plus rien à bouffer. Assis, là, un poisson et deux bétons. Mais bon, je vais pas manger ça jusqu'à ce qu'on s'en aille. D'ailleurs, est-ce qu'on va s'en aller? Il faut encore que je remange ma canne à pêche. Pourtant, j'ai déjà rajouté 3 mètres. Autant dire que mes collègues sont inutiles. Et puis certains ont des problèmes de santé.
Pour l'instant, ils tiennent sur leur provision et Alibou et moi, on mange ce qu'on trouve, histoire de ne pas taper dans leur réserve. Niveau matos aussi, ça laisse à désirer. Heureusement qu'on a pensé au nécessaire. On a de la chance d'être tombé sur une forêt tempérée, on n'aura pas trop de mal à se nourrir. Et puis, il pleut depuis 2 jours, ça nous évite d'avoir trop chaud, on est quand même en juillet. On est installé près d'un torrent, et on ne peut pas changer d'endroit pour l'instant. L'eau est très pure, elle n'a pas subi tous les traitements de mytho. J'ai beau faire des efforts de sociabilité, ça me gêne terriblement d'être avec les autres. Ils n'ont pas l'air d'avoir remarqué à quel point je suis asociale. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps, mais je ne peux pas les abandonner. Ils font tellement d'efforts pour être sympas avec moi, pour se débrouiller dans la forêt. Je ne les retrouve plus. J'ai l'impression que tout s'est inversé. Je ne peux pas leur rendre leur gentillesse. Je voudrais, mais j'y arrive pas. Moi, je reste. Certes, vous prenez du monde, mais vous êtes engagé à partir. Tu n'as pas envie de retourner à Mito? Non, moi je suis bien ici. Moi aussi, en ville, avec Warren. C'est l'enfer. Moi je pense un peu à l'hiver qui va arriver. Fini la chaleur, fini le soleil. Je suis d'accord avec James. On a juste à construire plusieurs cabanes comme le mien, on sera bien. Si on reste, on va geler. On va geler sur place. Qui rentre avec moi? Moi aussi, j'ai fait un rêve cette nuit. Tout le monde avait disparu du campement, sauf ma cabane. Au début, je me suis sentie bien. J'aime les habitudes. Et je commençais à regretter tout ce que je leur avais dit de méchant. Où sont passés les autres? Vincent? James? Léo? Je préfère quand on se parle, quand on s'amuse. Le monde dans lequel on vit est terne, sans couleur. Tout est gris, monotone. Les gens sont mauvais, surtout les cuissiers. L'homme tente encore d'avoir le dessus sur la nature. La technologie s'est immiscée dans nos vies et ne nous relâchera jamais. Tout porte à croire que ce monde est pourri. La mort, la famine, la maladie, la pauvreté, la jalousie, le suicide, le vol, le meurtre, le divorce et pire encore, la solitude. Mais si on a venu, on voit tout ce qui rend ce monde joyeux et coloré. L'amour, l'amusement, le rire, la fête, les gâteaux au chocolat, les bonbons, les glaces, le sourire, la gentillesse. Les amis, l'amitié est sans doute la plus belle chose que ce monde ait créée.
partir. Je ne veux pas me retrouver seule. Je ne pourrai jamais survivre. Et puis, j'ai commencé à m'attacher à eux. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'ils fassent attention à moi. Je leur cause tellement de problèmes. Je vais m'enfoncer dans la forêt. Ils n'auront plus à se soucier de la folle Alibi. J'ai peur. Là-bas ! Quoi, là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, regardez ! Ce sont les puciers, ils viennent me chercher. Cours, cache-toi, je vais gagner du temps. Je te couvre, on ne va pas les laisser entre campements sans rien faire. C'est chez nous, ici. D'accord avec toi, on n'a pas des moutons, c'est pour rien. C'est clair, on se défend, attrapez ça. Et ça ? Et ça ? Attendez ! Attendez, j'en connais certains. Ce ne sont pas ceux du gouvernement. Oui, il y a des enfants avec eux, des hommes, des femmes, des bambins dans leurs bras. C'est une foule qui marche. Ils viennent de Mito, ça se voit. Leurs vêtements sont tout sales. Ils ont l'air épuisés, regardez leur visage. On dirait qu'ils fuient quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a même des policiers. Et des anciens clients de la boutique où ils travaillaient. Et des amis que j'ai laissés. C'est vrai qu'on est partis sans rien. Ça me fait drôle. J'ai envie de... Ne sais pas. Vous croyez qu'on devrait avoir peur ? Plus maintenant. Plus rien n'est pareil. Alors venez. T-shirt avec le nom de la personnage et un petit secret derrière, voilà. Ils ont imprimé la médiathèque.